La page du tableau affiche un texte partiellement muet et des images dont la légende est masquée. On interroge les élèves à l'oral. Dans la palette d'outils, on prend la gomme, dont on règle le diamètre à une dimension suffisante, environ 60. Au fur et à mesure des réponses des élèves, on dévoile la légende de chacune des quatre images en passant la gomme sur les rectangles. Toujours à l'oral, on invite les élèves à compléter la phrase. On règle le diamètre de la gomme à une dimension plus petite, environ 30. On fait apparaître les mots manquants de la phrase. L'effet est saisissant, la réalisation facile. Tous les éléments de l'exercice sont disposés dans la page, y compris les textes des légendes et les éléments de la phrase qu'il faudra compléter. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur « Sélectionner tout », puis sur « Mettre en fond ». Ainsi, les éléments figurant dans la page ne bougeront pas lorsqu'on utilisera la gomme pour révéler les textes. Il faut faire attention que la mise en fond est irréversible. Dans la palette d'outils, on prend le stylo, on choisit une épaisseur de trait moyenne et la couleur blanche. On passe le stylo sur les parties de la phrase à masquer. Et on fait de même pour dissimuler les textes des légendes. L'exercice est prêt, on sauvegarde le fichier d'annotation dans son espace de travail par la commande Fichier enregistré sous.